L'Italie vote ses 24 et 25 février, des élections très particulières, car le parti qui domine, c'est celui des non-votants, des abstentionnistes, des lassés de la politique. Craignant d'être pris à partie, les hommes politiques italiens ont préféré les plateaux télé aux bains de foule, tous sauf un, Beppe Grillo, le chef du mouvement 5 étoiles. À bord de son camping-car, il a sillonné le pays et rempli les places publiques. Nous l'avons suivi en campagne, en exclusivité, en Sicile. Le froid, la neige, rien n'a arrêté Beppe Grillo. L'ancien comique devenu le trublion de la politique italienne a mené campagne tambour battant. Son mouvement pourrait bousculer la donne. L'an dernier, il a conquis la ville de Parme et il est devenu le premier parti de la Sicile, l'ancien fief de Berlusconi. C'est là que nous l'avons interviewé. Celui qui bataille contre les technocrates de la politique ne se voit pas Premier ministre. Je ne suis pas candidat, je n'ai jamais pensé entrer au Parlement. Ce n'est pas ma nature. Les hommes politiques, ces voleurs, les gens qui ont volé ce pays ne peuvent même pas imaginer que quelqu'un, même un comédien comme moi, puisse faire quelque chose pour les autres sans contrepartie financière. Lui qui a taillé la route toutes ces semaines sans se ménager, préfère s'effacer derrière ses militants candidats. Tous préalablement désignés lors de primaires sur Internet et tous, comme lui, désireux d'en finir avec un système politique lourd et dispendieux. La première chose que nous allons faire, c'est supprimer le remboursement électoral. Nous allons couper le cordon ombilical financier. Nous n'encaisserons pas les 100 millions d'euros environ que notre parti est censé recevoir en entrant au Parlement. Les 15 députés que nous avons à l'Assemblée régionale de Sicile ont réduit leur propre salaire de 70%. Ils ont ouvert un compte inscrit au bilan annuel de la région et avec cet argent, ils financent des microcrédits, agriculteurs, pêcheurs, commerçants. C'est un crédit de la survie, un crédit de la dignité. Un camping-car, des places publiques, les armes de cet homme de 64 ans qui mène ses meetings comme une rockstar et a le sens du verbe comme personne. Son credo, la démocratie directe et des citoyens qui s'élisent entre eux. Nous voulons rendre aux citoyens les instruments du pouvoir. Ils doivent avoir le dernier mot. Nous voulons mettre en place des référendums de propositions et le Parlement doit être tenu de discuter de ces lois par la Constitution. Par conséquent, si 50 000 personnes demandent une loi, cette loi doit être discutée au sein du Parlement. Aujourd'hui, la Constitution ne le permet pas. Pour nous, le citoyen, c'est celui qui dit oui ou non pour une autoroute, une piste cyclable, un hôpital, un gros chantier public. Nous demandons que les citoyens aient le dernier mot. Ils doivent devenir l'État. Les intermédiaires, ça suffit. Et les femmes l'aiment. 55% des candidats sont des femmes du jamais vu. Lui qui refuse mordicus de passer à la télé est vu comme un bouffon par les médias italiens. Alors, il rétorque. Regardez, Euronews est avec nous. C'est une chaîne d'information européenne en 12 langues. Ils vont parler de nous partout dans le monde. Et nous devrions être pris pour des imbéciles par les chaînes italiennes, Rete 3, Canale 5 ou Rete 4, qui ne sont pas impartiales. Ses tirades, enflammées, son pragmatisme attirent les déçus de tous bords. On le dit populiste, alors provocateur, il en appelle à ses partisans. Ce qui est sûr, cet homme en colère, hors des clivages et qui pourrait envoyer une centaine de parlementaires à Rome, inquiète Bruxelles. Ce mouvement fait peur à l'Europe. Nous voulons rediscuter chaque traité ou directive européenne, depuis Bolkestein jusqu'à nos interventions militaires en Libye, en Afghanistan, au Mali. Nous voulons discuter des accords sur l'agriculture et la pêche. Nous devons discuter de la dette. Nous sommes étranglés par la dette. Nous payons 100 milliards d'euros, le coût chaque année d'une dette d'environ 2000 milliards. Il faut trouver une solution che non ce l'ho io. Ma voglio discutere, vogliamo discutere. Noi abbiamo i più grandi. Je n'en ai pas, mais nous devons discuter. Nous avons des économistes au sein du mouvement et nous devons chercher une solution parce que la dette dévore nos vies. Il n'y a pas d'argent, mais il y a de l'espoir.
Regardez les yeux des Siciliens. Ils ont l'air différents. Le changement commence ici. L'Europe, c'était merveilleux quand les pères fondateurs l'ont imaginé. C'est devenu autre chose. L'Allemagne, ça ne va pas si bien qu'on le pense. Nous avons remboursé sa réunification, mais maintenant ils commencent à avoir aussi des problèmes, parce que c'est l'Occident qui est en crise. Cominciano ad avere dei problemi anche loro, perché è l'Occidente a essere in crisi. Revenu minimum 2000 euros, réduction de la semaine de travail à 20 heures, baisse des salaires des hommes politiques, retrait de la zone euro. À chaque déplacement, il fait le plein. Quand ses concurrents investissent les plateaux télé, lui tire à vue et tout le monde ici le comprend. Quand la Chine est entrée dans l'OMC, elle s'est engagée sur 21 points. Ils n'en ont respecté aucun. Avez-vous déjà parlé à un Chinois? Ils ne respectent aucun contrat. Et je suis censé respecter tout ce qu'ils font? Attendez une seconde. Où est-ce écrit? Quand elle est allée en Chine, Angela Merkel a dit d'acheter des obligations italiennes, pas allemandes. La Chine en a acheté en sachant qu'elles ne valaient rien. Pourquoi? Parce que le gouvernement italien les a aidés à investir en Italie, grâce à une législation fiscale très avantageuse. Pas de répit pour Beppe Grillo. Le camping-car continue sa route. Un sandwich à la va-vite. Une énième vérification sur son portable avant un meeting à Palerme. Pour Beppe Grillo, démocratie directe ne va pas vraiment avec l'Union européenne. Io mi voglio riprendere la mia sovranità, una alimentare, l'abbiamo persa. Je veux un retour à la souveraineté. Je veux regagner la souveraineté de mon alimentation. La distribution alimentaire est contrôlée par des sociétés françaises. Ils viennent ici et ils vendent du lait et du fromage français. Ici, en Italie. Ça suffit. Je veux être protégé. Essayer de vendre de l'acier chinois aux États-Unis, c'est impossible. Nous sommes une démocratie. Ce n'est pas l'Union soviétique. Se ce la fa, e lì siamo, non siamo in Unione Sovietica. Allora, certe protezioni. Ici, en Sicile, les pêcheurs sont obligés d'utiliser les filets à large maille imposés par l'Union européenne. Ces filets ne servent à rien. Et les pêcheurs doivent utiliser des filets illégaux pour survivre. Et ils détruisent l'environnement. Ils ne peuvent pas pêcher le thon. Mais les Japonais, eux, si. Eux, ils viennent ici avec des bateaux de pêche gros comme des porte-avions. Populiste ou non, Beppe Grillo fait rêver la péninsule. Son mouvement, crédité d'entre 18 et 23% des voix, devrait créer la surprise. Même si ses candidats sont inexpérimentés, les Italiens, fatigués par les affaires et la mauvaise gouvernance, pourraient bien lui donner une chance.